C'est bon, tout le monde est mort. Ouais, visiblement oui. Voilà. Ah d'accord, ok. Faut que je pirate. Voilà. Ok, c'est bon. Ah oui, il est où le plasmide en fait? Je le vois parce que... le feu, je veux du feu, du feu. Il a une toile, le bâtard. C'est pas grave, je vais prendre mon pouvoir électrique, je vais la dégommer. Voilà. J'aurais pu très bien la pirater, mais gros, putain, flemme énorme. Alors, je crois que le plasmite, il va aller se faire emboîter parce que je m'en fous, en fait. Vu que c'est un plasmide que j'utilise pas en fait. Que je n'ai jamais utilisé. Donc ouais. Quoi. De toute façon je crois qu'il a disparu pour toujours. Allez. Il est nulle part de toute façon. Je pense qu'il est sorti de la pièce. T'as arrêté de me mettre sous l'eau alors que... Ouais bon bref. Et je m'en bats les couilles mec, ton plasmide. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là-dedans? Dans ces cadavres. Où sont les rivets, les rivets, je vous demande si je leur rends. Ta gueule. Quelle pute. Vous savez où elle a été se soigner tout simplement. Quel bordel, pardon. Arrêtez de se soigner. Arrête de bouger, putain. Pas que ça la foute à te courir derrière, merde. Ah. Tout pour rien. Bon, après. Ah bon, bah, il faut descendre. Il faut que je descende, ok.
Ok. Je suis en train de me téléporter un peu n'importe où là. Pitié, aidez-moi. Quoi, 52, 24? Alors 52-24, faut que je le note, parce que à mon avis normalement c'est 52-24. Vous savez où ce sera de noter sur ma main, que pas de feuille, rien à foutre. Alors obtenez encore plus pour votre argent avec vendeur expert. Quoi? Ça me plaît. Mais est-ce que je peux le faire de toute façon? Non, là j'étais. Là, là, ça... Et ça, je comprends pas. On m'a flashé. Ok, bah... Attends, 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 tu te fous de ma gueule, là, ils me mettent au niveau du niveau. Mais ferme ta gueule, toi! Ah, bah, ça sert à rien ce que je fais. Il ne laisse derrière lui que des esclaves enchaînés. À cet air, il qu'est-ce que je peux acheter? Bienvenue à la farandole! Je demande rien, je prends, putain! À quoi me servez-vous donc? Qui l'aime finit assujetti. Car le tyran ne connaît que la révérence ou la peur. Je peux pas aller dedans. Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. Plus éclairé, plus fort, plus noble, fontaine et l'avenir de l'or. Bon, ah ouais, c'est ça que je vais faire. 60 secondes. Placement de fortifiant, voilà, merci. Faut que je fasse un truc là. Non, lui, c'est pas lui. Voilà. En place, on va défortifier encore un. Hein. Je vais mettre quoi? Je vais mettre. Alors, les trousses de soins. Quoi, quoi? Les trousses de soins, vous un peu. Vous isolez vos amis. Quand vous parlez d'un système, vous gagnez quelques points de santé de Eve. Lorsque vous subissez une attaque, vous étiez une des. Sœur école d'adore légèrement plus vite. Ah ouais, d'accord, c'est ça que j'avais vu en fait. C'est que là, je vais le prendre alors. Piège de vortex. Élevez la race ultime d'insectes. Les nuées se cachent dans les cadavres de vos ennemis, guettant les nouvelles victimes. Putain, carrément. Va pirater, oui, putain. Chier. Putain.
Bon, ok, je dois aller là. De toute façon, j'étais partout. Ouais, je crois que j'étais partout. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Bah, j'étais là aussi. Là aussi. Ok, c'est bon. Ah, oh, bah, là aussi, j'étais. De toute façon, là, je peux pas. Hein. Ça marche. Ah, je vais prendre peut-être une admiration de vie ou je sais pas quoi. Hop, on va prendre les deux. Ouais, on va même prendre plus de vie. Même. Voilà. Trop cool! Qu'est-ce qui se passe? C'est pour moi tout ça? Putain, ils sont trop gentils ces messieurs. Oh putain, ça y est, je me rappelle. Je vais arriver dans un espèce de théâtre. Il y a des gens, ils vont venir m'attaquer et tout. Ça va être de la folie. Mais j'avais pas un robot avec moi. Quoi, c'est quoi ça? Ah, il a écrit aidez-moi. Ah, c'est là où la meuf, il avait écrit aidez-moi. Pitié, aidez-moi, 52-24. Déjà prendre ça moi. Attends, je suis pas trop nombreux. J'ai envie de prendre ça moi. Le pouvoir là, hein, pour info. J'essaie mais j'arrive pas. Allez, bah. Putain, je peux pas le prendre, quoi. Mais comment ça se fait? Je crois pas, mais comment ils veulent que je le prenne? Attends, mais déjà, comment elle a fait pour aller là où elle est? Non, sauf pas. Je sais pas, c'est bizarre. Quoi. Ah, bah d'accord, ok. Ouais, je me disais, de toute façon. Ça pouvait que être bien là. Ah, bah c'est là, non? C'est pas là? Non. C'est quoi ça? Je m'attends à avoir une machine. Parce que je peux pas aller vers là. Non, ça ne s'ouvre pas. Ok. Réservé au personnel. Il n'y a pas un nom de cet endroit. Je sais pas, j'en ai jamais le nom. Ah, fontaine. Oh, bon, ok. C'est quoi ça? Alors, accessoire de démonstration pour incinération. Ouais. Tu vois. Ah, ok, d'accord. D'abord récupérer ça, voir ce que c'est. Pirate prudent. Ouais, ça sera dans la poche, mais c'est tout quoi. Truc pour tester la télékinésie. Notre espoir était de lier une petite sœur à un seul protecteur. Il fallait donc pouvoir la remplacer en cas d'erreur. Lors de l'élaboration de ce lien de parenté, nous ne pouvions pas laisser les parents de la fillette poser trop de questions. Alors, les orphelinats de Fontaine nous en ont fourni une. L'opération fut un succès sans précédent. Si seulement j'avais su que cet enfant était... Eleanor. Je regrette tellement. Bon, enfin, si j'ai bien compris, le premier cobaye pour faire une petite sœur, ce fut Eleanor, quoi. Mon Dieu! Que ce soit Eleanor ou pas, ou notre petite sœur, c'est la même chose. On est d'accord, hein. C'est cruel ce qu'il a fait quand même. Si ça aurait pas été Eleanor, ça aurait été une autre, ça fait quoi, quoi.
Ça, je vais le détruire. Enfin, non, pas maintenant. Petit chat est mort. De toute façon, comme j'ai plus le robot, il faudra que j'utilise ça. Allez-y, allez-y. C'est gratuit. Dans le bras, transforme le plus irrécupérable des gratte-papiers en employé motel. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Regardez, cela ne vous rappelle rien? Nous t'adotons, Delta. Mais c'est parti, vous savez. D'abord à utiliser des trucs comme ça, d'abord ça. Ce soir, le scepticisme n'a pas sa place, pas plus que l'incrédulité. Fontaine Futuristics vous présente notre série révolutionnaire de plasmides de sécurité privée. Mm-hmm. Et... Y a-t-il un volontaire dans la salle? Allons, allons, ne soyez pas timide. Monsieur, peut-être? Non, je sens que monsieur est trop petit. C'est trop mort. Vous, madame, dans le fond, approchez. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Pas d'autres volontaires? Voyons, messieurs! Laisserez-vous seul en scène cette pauvre femme anxieuse? Elle est où, en fait? Elle est morte! Approchez donc! Elle est où? Attends, attends, mais je tire quoi, en fait? Attaquez mes abeilles! Et moi ici, je peux lancer du feu. Ils ont fou. Ouais, c'est peut-être. Ouais, ouais, le feu. Merde. Eh, hey, il est bloqué, lui. Et on applaudit tous le sujet Delta et ses plasmides surpuissants. Merci. C'était facile. Ah, vas-y, je l'attends, lui. Vas-y, ramène sa gueule, tu vois, ce que j'ai pour lui. La à l'autre démonstrateur, et il semble fermement décidé à... Je me suis trompé d'arme, je sais. ...prendre le devant de la scène. Que va bien pouvoir faire Delta, mes amis? Mais... Allez, cale-toi, mon gros! Voilà! Toujours aussi doué, Delta! Vous êtes fait pour cette démonstration! Attention! Si le lien qui vous unit à une petite coule fragile ne vous avait pas rendu cinglé, la série Alpha aurait été notre plus grande fierté! Tu te le dis? Moi je me rappelle que sur PS3, bah, j'étais resté bloqué ici, dans la pièce là. Il y a eu un bug, ça a frisé avec la PS3. À la longue, c'était une console qui pétait. Qui était pété du cerveau. Comme sur Fallout 3, hein. Fallout 3 et PS3, bah putain, elle est sauvée.
Les frises que je me tapais, en plus c'était pas une PS3 normale, c'était une PS3 Slim. Alors ceux-là c'est les pires. Hein. N'achetez jamais une Slim, c'est de la merde. C'est quoi, les gars ? Ouais, ça expirate que ça. Mais d'accord. Mange des gâteaux. C'est bon, et puis on approche ici, c'est bon, je crois. Hein. Ça fait quoi si je fais ça? Truc à trick. Et ça, c'est quoi? C'est le feu, ça? C'est quoi? T'es un télékinésie? Ouais. Il est où le télékinésie? Non, ça me serait, ça arrêterait. Je vous fais les poches. C'est le dernier. De la subordination à présent, vous pouvez dire adieu à vos indemnités de licenciement et à vos avantages sociaux. Faites battre. Oh, je crois qu'il a pété un plomb. En fait, ce qui est bien, c'est que en fait, on est toujours jamais à court de munitions parce qu'ils viennent à la finie. C'est bien. Ah, c'est pas là. Ah oui, ouais, je vois. Donc. Hold the pass. A news day. Je sais même pas ce que ça voulait. C'est autant brisé. Bienvenue, Gilbert Alexandre. Une amélioration. C'est encore moi. J'espère qu'à présent, vous devez être décidé à m'aider à en finir avec la vie. En échange de ce service rendu, j'ai mobilisé pour vous une escorte qualifiée. Ah, bien, il y a un interrupteur par là qui devrait vous permettre d'accéder au véritable laboratoire. C'est là que je vous attends. Tout du moins, à ce qu'il reste de moi. Venez, par pitié. T'inquiète, je vais venir. Bon, en même temps, si j'utilise plus le grenage, je risque de niquer ce fameux robot. Alors, on va éviter pour l'instant.
Partout les... J'ai qu'on m'abrite. Bum. 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 Ah, les jeunes n'apprendront jamais de leur erreur. Oui, le robot. Alors ça va, c'est cool, t'as besoin d'être réparé? Ouais. Allez, direction le laboratoire du Dr. Strange. Il se faisait un temps. Ah, deux coups, ça suffit. La même poids, même un coup, j'arrive. Non, donne un coup, donne un coup. C'est pas drôle, mais sûr. Ouais bon. Bon, c'est bon là. Ridicule. Bon, que fait-elle? Où est-elle? Ah bah tiens. Il vient d'infini ou je rêve là? Merde. Tiens! Mon petit, oui, je veux se réparer, toi, tiens. T'es content? Attention, robot. Bon, je crois que c'était le dernier. Bon, je pense. Ah, il va dire. Oh, il a disparu! Hein. Réussite du docteur Lamb, la synthèse vivante des génies de rapture dans le corps d'un homme unique, au service de l'intérêt général. Mais aujourd'hui, je ne suis rien de plus pour elle qu'un échec scientifique, une expérience à l'abandon. Si mes performances intellectuelles et morales sont encore remarquables, elles déclinent rapidement. Elle m'a abandonné, et je sombrerai bientôt dans la folie. Ok. L'entrée du laboratoire de Glassmith. Merci le robot. Bienvenue à Rapture. Faut que je sombre dans les méandres du fond de mer. Ouais. Je vais d'abord aller voir là-haut. Voir y'a quoi au haut des escaliers ?
Waouh. Ah mais c'est là d'où je viens en fait. Ah ouais. C'est là d'où je viens. Un temps avec les propriétaires de cet oxy-service. Si je me souviens bien, la station n'est qu'une façade qui dissimule un passage secret menant plus bas. Si Lamb planque Eleanor quelque part, c'est probablement là-bas. Ouais. En fait, l'interrupteur, il va être là. Il faudra appuyer là et le mur là, il va descendre. Pour l'instant, là, c'est pas le cas vu que normalement, on ne doit pas le savoir. En fait, comme on ne sait rien. Draining. Ouais. Le noir. Le plus total du néant de l'esprit humain. Ben voilà. C'est lui en fait. Lui, il est dedans, pour info. Le docteur. On voit rien, eh. Ne vous attendez pas à voir une personne. Oh non. La personne n'est plus. Seul l'esprit est là. N'y voyez pas, malice. Mais ces lumières mettent mes yeux au supplice. Elles resteront éteintes jusqu'à ce que vous en ayez fini avec moi. Faites sauter les disjoncteurs, puis revenez ici rétablir le courant. Ok, faites sauter les disjoncteurs. Ouais. T'as envie de pirater ça, hein? Pirate. C'est rare que je l'ai, lui, hein. Oh la vache, putain, c'est... Allez, putain, t'as de merde. Je vais pas le faire, je vais pas le pirater celui-là, parce que je peux pas. Damien. Bon, je vais aller par où je vais, ouais. Moi je vais pas. Disjoncteur 1. Ça j'aimerais bien le pirater quand même. Oh là là. Putain. Mais non, elle est assurée, putain. Casse les couilles à force, putain, non mais voilà quoi, je veux dire. Tiens, viens dans mon équipe toi. Ça changera. Là si j'ai regardé, j'arrête. Là j'ai les piratas, c'est zéro. Hein. Ah putain, voilà, au moins un. Regardez tous les trousses que je suis en train de faire fouiller.
Putain, voilà. Comment ça va se finir, voilà. On va branler. Le docteur Alexandre est d'accord pour accepter les deux mesures du projet Nouvelle Utopie. Il deviendra une sorte de chimère montante, l'hôte de tous les esprits de rapture, et accédera à leur ADN grâce à la dent que nous avons collectée. Et, prolongeant le travail de Souchong, j'ai développé une autre série de contraintes comportementales. Le docteur Alexandre va donner sa vie pour promouvoir l'intérêt général. Littéralement, son amour et sa loyauté seront répartis équitablement dans toute la race humaine. Toute ma vie, c'est ce que j'ai cherché à accomplir. Manipulatrice, va. Ah, c'est bon. D'avoir écouté ça. Sophia pense que le parfait altruiste n'est rien de plus que le résultat d'une équation que nous n'avons qu'à résoudre. Elle disait que l'intelligence et la conscience sont deux choses différentes, car la conscience de soi devient une obsession de soi. Si nous pouvions supprimer ma conscience personnelle et me doter de la capacité cognitive de servir pour le bien de tous, nous pourrions créer ainsi le premier utopien. Et enfin, a dit Sophia, l'utopie pourrait naître. Bon, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour que vous puissiez rencontrer l'utopien.